La parcelle est déjà très belle. 2 hectares exposés plein sud, 10 000 ceps de vigne plantés par une femme très courageuse. Axel s'est lancé il y a 2 ans, suite à une reconversion. Faire du vin en Normandie, ce n'est pas aberrant pour elle. On est un peu en train de créer une nouvelle histoire en Normandie. Et voilà, la culture de la vigne va avoir tendance à remonter. On voit déjà des effets du réchauffement climatique indéniablement depuis ces dernières années. Donc oui, la tendance fait qu'on est au début, mais ça va forcément continuer comme ça et que la Normandie sera de plus en plus propice à la culture de la vigne. Grâce à son BTS en viticulture œnologie décroché il y a quelques mois, Axel fait partager son goût de la vigne. Aux extrémités, vous avez les vrilles qui servent vraiment à la liane à s'accrocher partout. Donc on a besoin de la domestiquer un petit peu, sinon elle part dans tous les sens. Cette jeune mère de famille est déjà fière de présenter son vignoble lors de ses visites estivales. Les 2 rendez-vous ont attiré plus de 60 personnes. Oui, elle a beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de temps aussi à consacrer à sa vigne. Et puis la passion aussi qu'elle met dedans, ça se ressent quand elle nous en parle. Je trouve que c'est très, très bien qu'il y ait des gens, des fous, qui se lancent dans des projets pareils. Oui. J'aimerais que le Roumois soit connu donc, pour son vin. Il sera connu pour son vin. Donc on est très besogneux donc, dans le Roumois, donc on va travailler pour y parvenir. Cette viticultrice a fait le choix de cépages adaptés au climat normand. On a planté du Sauvignac, du Muscaris, du Sorelli et du Flirté ou Flirtail, puisque c'est une variété italienne. Ce sont tous des cépages résistants naturellement au mildiou et à l'oïdium, qui sont les principales maladies de la vigne. Dans les années à venir, Axel développera le tourisme lié au vin et tout sera prévu. Est-ce qu'il manque quelque chose à la fin de la visite ? Ah, la dégustation, mais voilà, la dégustation, on va attendre 2-3 ans, quoi, donc. Mais il faudra être patient, car la première récolte est prévue en 2024. Il existe aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de viticulteurs en Normandie, dont une dizaine dans l'Eure.